Bonjour à tous, avec vous Myriam depuis le stade Al Ahly, oui, El Salam, et bulletin d'information du club Al Ahly en français que nous présenterons chaque semaine pour tous nos publics sur le continent et dans le monde entier. Commençons par les titres. Al Ahly domine AS Sony Dep 1-0 à la Ligue des champions de la CAF. Al Ahly affronte l'Etihad d'Alexandrie pour confirmer son avance en championnat. Johnson, importante victoire malgré le mauvais état du terrain. Dieng, la victoire contre AS Sony Dep est un bon début. Mais Simon s'est remis de Corona. Tennis masculin, Al Ahly sacré champion d'Égypte. Les équipes masculines de l'Ali atteignent la finale de la Ligue. Basketball féminin, Al Ahly en finale du championnat d'Égypte. L'équipe première de football de l'Ali a défait son rival AS Sony Dep sur le score 1-0 lors du match aller disputé mercredi au stade de Seyni Kounché dans le cadre du 32e tour de la Ligue des champions de la CAF. L'unique but de la rencontre a été inscrit par le milieu du terrain de l'Ali, le Malien Aliou Dieng, à la 33e minute de la première mi-temps. Le lundi 28 décembre, Al Ahly affrontera le club Al Ittihad d'Alexandrie lors de la troisième semaine de la saison de championnat 2020-2021 au stade Al Ahly Oubi El Salam. Al Ahly entre dans le match pour confirmer son sommet du classement. L'entraîneur adjoint de l'Ali, Kevin Johnson, a dit que la victoire réalisée mercredi contre le AS Sony Dep était importante à la lumière du mauvais état du terrain du match. D'après lui, le AS Sony Dep comprend de bons éléments, remerciant les fans de l'Ali pour leur support. Le milieu de terrain de l'équipe senior de football de l'Ali, Aliou Dieng, s'est réjoui de la victoire réalisée mercredi. Il a qualifié de bon début ce résultat, faisant état de sa détermination de remporter le titre du championnat africain afin de satisfaire les fans de l'équipe Kairot. L'entraîneur de l'Ali, Pete Mosimane, a annoncé qu'il s'était remis du virus Corona hier samedi. L'équipe masculine de tennis de l'Ali a remporté le championnat d'Égypte après avoir battu son rival El Saïd 5-4 à la finale tenue au terrain du club Al Tawfiqiya. Les joueurs de l'Ali sont comme suit: Fares Zakaria, Mohamed Amr, Ahmed Mounir, Belal Ibrahim, Moab Sami, Mahmoud Ezat, Rawi Tarek, Belal Khaled et Ziad Ahmed. Les équipes masculines de basketball Al Ahly ont éteint la finale de la Ligue nationale après avoir éliminé le Sporting en demi-finale. Al Ahly affrontera l'Etihad d'Alexandrie lors du match final qui se déroulera dans les deux sens dimanche et mardi à Ismaïlia. L'équipe première féminine de basketball s'est qualifiée pour la finale du championnat d'Égypte après avoir défait son rival Semoua sur le score 53-25 en demi-finale du tournoi. Le match retour a eu lieu à la salle de Smoa alors que l'aller s'est terminé sur le score 100-35. Le national Al Ahly doit affronter le dimanche son rival Sporting en finale du tournoi à la salle du canal de Suez. Myriam était avec vous, à bientôt la semaine prochaine au stade Al Ahly, oui El Salam.